tous et bienvenue dans un nouveau vlog vendredi, dernier jour de la semaine. Regardez comme elle est belle. Hello. Hello. Oui. Tu montes ton joli pull. Oh là là. Oh là là, comme elle est belle. Trop belle comme ça. Montre. Arrête d'enlever les paillettes dessus, tu vas l'abîmer. On tire pas sur ce. Bon, je suis de retour de l'école. Je vais monter ce vlog, enfin le vlog d'hier, et faire une petite séance de sport à la maison parce que j'ai toujours mal au dos, donc je vais vite de reprendre la course de suite. Mais surtout il fait 0 degré dehors, donc je sais pas, psychologiquement prête à faire du sport dehors. Bref, vous voyez mes sourcils naturels là, sans maquillage, du coup elle me les a teints et épilés hier, et je trouve que c'est bien, ça fait nickel alors que je suis pas maquillée quoi. Ça fait évidemment, je vais me ravaler la façade tout à l'heure. Mais là déjà, mes sourcils font bien plus net qu'avant. Il y a encore un peu de colo là, je crois qu'il faut qu'il va partir naturellement. Mais ouais, franchement c'est pas mal. Et du coup, je me suis fait influencer hier chez Sephora. J'ai acheté des produits Benefit. Parce que du coup, j'ai fait mes sourcils chez Sephora au stand Benefit. C'est bien, j'ai pris rendez-vous sur l'appli et tout, c'était pratique. C'est un peu cher quand même, mais c'était cool. Du coup, j'ai craqué pour ça, qui est un eyeliner marron. Et du coup, c'est celui que je portais hier qu'elle m'a mis. Et je le trouvais très bien, il a bien tenu et tout. Donc voilà, j'ai craqué. Ça m'a coûté une blinde tout ça, hein. Je vous le dis pas. Et le Goof Proof Brow Pencil de chez Benefit aussi, c'est celui-là, qui est un crayon pour les sourcils avec une mine rétractable mais qui est déjà bien biseautée et le résultat est assez bien. Elle m'a aussi mis des échantillons, elle m'a mis le Verwheel qui est le mascara de chez Benefit. Elle m'a mis un Gimme Brow qui est le petit gel volumisant pour les sourcils. Et elle m'a mis du fond de teint, même l'a mis dans une petite boîte comme ça, leur nouveau fond de teint pour que je teste. Donc voilà. Je suis ressortie avec plein de produits, donc tout à l'heure je testerai tout ça sur mon visage. Mais là, je vais d'abord commencer par travailler. Et j'ai ce chien qui est venu squatter, j'ai essayé de... Il y a de la cendre partout, parce que j'ai essayé de refaire reprendre le feu ce matin, mais je suis pas sûre que ça marche. Ah, parce qu'il y a trop de cendre, et c'est Nico qui gère le feu, parce que on a un poêle à bois qui fait un peu des caprices. Des fois, il y a plein de fumée qui sort d'un coup, et moi je sais pas trop gérer ça. Pourtant, vous avez vu, hier, j'ai réussi à allumer le feu chez Pauline, mais bon, on va voir si ça prend pas, j'essaierai de le refaire. Et ouais, là il avait froid ce matin, alors il a voulu rentrer, parce que vous savez que mon chien, il vit dehors, après il rentre s'il fait froid, il fait ce qu'il veut quoi, mais d'habitude il veut rester dehors à courir, parce qu'il court avec les autres chiens, il fait sa life, mais là ce matin il a voulu rentrer avec moi, se mettre au chaud. Bon, quand il fait zéro, clairement, il reste mieux que nous, hein. Ouais. Sinon il squatte tout le temps chez Serge aussi. Il adore Serge, donc il reste, il se met dans le hall chez lui. Mon gros chien-chien. Mon gros chien-chien d'amour. Ça c'est un amour de chien. Il est bête comme ses pieds, mais il est quand même drôle. Regardez sa tête là. On se retrouve plus tard. J'ai fait mon sport ce matin et j'ai bossé, vous ne voyez pas du tout, je suis dans le mi-ombre, mi-soleil. Je suis avec Nicook. On va manger ce midi à Jour qui vient d'ouvrir à Leclerc Ajaccio. Jour, c'est un concept de resto de salade à constituer soi-même mais qui a l'air assez original et innovant. Donc du coup, on les avait rencontrés déjà, les patrons, c'est des jeunes qui ont notre âge, ils sont hyper cool. Et du coup, vu qu'ils ouvrent aujourd'hui, on va les tester ça. Et ça ne fera pas de mal, parce que moi je suis en mode détox, et c'est très bien. Et je suis trop contente que ça ouvre, parce que bah, si c'est cool, je vais pouvoir y aller souvent, parce que moi je mange souvent dehors, et il n'y avait pas vraiment de trucs à proximité pour manger sainement, donc c'est vraiment une bonne nouvelle, quoi. Bon, ce midi on fait light. Et franchement, je suis trop contente. L'endroit est canon. Et tu composes tes propres salades, on va se régaler. Bon, ça y est, on a fini de manger, c'était hyper bon, c'est régalé, franchement, c'était cool.
Et je pense que je vais passer ma vie là-bas, clairement. Surtout quand Sarah va ouvrir à côté. Ça va être vraiment genre mon QG. Là, il faut qu'on aille poster un colis. C'est tout, qu'on remonte. Moi, je dois tourner une vidéo. Moi, je dois... Qu'est-ce que je dois faire? Ah oui, je dois faire une sieste. Nico est tout blanc aujourd'hui, le pauvre. Je suis blanc, hein. Mais il a mal à la gorge et tout. Hein? T'as encore mal à la gorge et tout? Non, ben moi c'est toujours les oreilles le problème, ouais. Les sinus quoi. Faut que tu reprennes. En fait, on a genre 1 million de rendez-vous médicaux à prendre, ouais. Et on s'en occupe pas. Mais il faut qu'on le fasse. Hein. Non, mais moi, les sinus c'est à vie, hein, on le sait. Bah, toi, il faudrait que tu fasses opérer. Il me refaudrait le traitement qui s'est arrêté là. Parce que moi, quand j'ai mal au sinus, faut tout vous dire. Après, j'ai les oreilles qui se bouchent, après, j'ai mal à la tête. Enfin voilà, c'est. Du coup, là, je trouve que je vais te faire une sieste pour aller. Sieste Corse. Bon, nouvelle exportation de vidéos. Toujours là. Mais au moins j'ai un joli coucher de soleil aujourd'hui. Bon, ça va, il reste, j'espère, pas trop longtemps pour exporter, mais bon, on verra bien. Bon, bah, j'ai exporté mon vlog tout à l'heure, comme vous avez pu le voir. Je suis rentrée à la maison. Qu'y a-t-il là sur mon objectif? Voilà. Nico est en train de se préparer pour son live du vendredi soir. Donc tous les vendredis soirs, Nico fait une recette en live sur sa chaîne YouTube. N'hésitez pas à le rejoindre d'ailleurs, parce que du coup, là ce soir c'est des pâtes aux gambas. C'est trop bon, sa recette est trop bonne. J'ai pas encore mangé, j'espère ne pas craquer. Je pense que tu vas craquer parce que je vais craquer, c'est trop bon. Et du coup moi je filme, je suis le caméraman officiel des recettes en live de Nico. Et ça, c'est pas n'importe quoi, je peux vous le dire. Et c'est trop cool parce que les gens participent à fond et tout, on répond aux questions en live. Et... Bref, c'est cool. Et si vous les suivez, merci de les suivre, c'est trop bien. Par contre, je suis congelée. Et là, elle est au lit déjà. Elle est KO. Donc là, on attend encore 25 minutes et le live va pouvoir démarrer. Nico, il adore faire ça. Il est trop content, je vois, il est surexcité. Bon, allez, il est temps d'aller se coucher. Il est minuit 14, je voulais me coucher tôt. La FD en a décidé autrement pour moi. Je crois que j'ai lâché l'affaire. Je me démaquille. Qui est fatiguée. J'ai rien fait ma soirée. En plus, j'ai erré de réseaux sociaux en réseaux sociaux. Je discute avec les copines et je me perds dans les méandres de mon téléphone. Et du coup, je ne me couche pas. Et demain, mon enfant va se réveiller à l'aube parce qu'on l'a couché très tôt. Hein? Donc le week-end, pas de week-end. Par contre, la bonne nouvelle, c'est que demain soir, vu qu'on mange avec des amis, elle dort chez ma belle-mère. C'est pas la bonne nouvelle, j'aime bien avoir ma fille avec moi. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on la récupère que dimanche midi. Donc Nico, il me disait dimanche, on va faire une grasse mat, oui. Genre le truc qui t'arrive jamais quand tes parents, faire une grasse matinée. Tu as dit adieu à tout ça. Voilà. Bref, je vais arrêter de raconter n'importe quoi, je vais vous laisser. J'espère que ce vlog vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le commenter, à le liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à demain dans un nouveau vlog. Ciao!